me suis fait mettre dehors de la classe et finalement, je me suis rattrapé. J'ai eu parmi les meilleures notes de ce cours-là. Je m'appelle Antoine Hazard, diplômé en génie informatique de Polytechnique. Aujourd'hui, je suis un directeur d'ingénierie pour une firme de technologie financière à Silicon Valley et je siège également sur le conseil d'administration de la Fondation et Alumni de Polytechnique. J'ai une passion pour l'ingénierie et l'informatique depuis un jeune âge, venant d'une famille qui est composée de plusieurs ingénieurs. Et donc, quand est venu le temps de choisir le chemin de carrière, c'était relativement assez clair pour moi. Et ça a été vraiment un choix de passion que j'ai suivi. D'être entouré d'anciens de Polytechnique qui se soutiennent entre eux est une valeur inestimable. Je l'ai vécu moi-même dans ma carrière à travers mon parcours entrepreneurial. Quand j'ai eu mon premier stage, c'est un ancien de Polytechnique qui me l'a donné. Quand j'ai fondé ma première entreprise, c'est un autre ancien de Polytechnique qui a acheté cette entreprise-là. Quand j'ai fondé ma deuxième entreprise, ce sont trois autres anciens de Polytechnique qui l'ont financé. Je pense que bâtir ce réseau extrêmement fort entre nous va donner des résultats extraordinaires et c'est pour ça que je m'implique beaucoup dans la Fondation et Alumni de Polytechnique. Polytechnique véhicule des valeurs d'éthique, d'intégrité, de créativité, d'excellence, ainsi qu'un mélange d'ambition et d'humilité. Et je pense que ces années à Polytechnique ont été extrêmement fondamentales pour façonner la personne que je suis aujourd'hui. C'est très inspirant de penser que Polytechnique a 150 ans. Je suis très excité pour l'avenir. J'espère que Polytechnique continuera d'attirer les meilleurs étudiants, chercheurs, professeurs au monde. Je souhaite tout le meilleur à Polytechnique. Je pense que les meilleures années sont devant nous.